Saïd! Bon frérot, tu peux ouvrir la porte là, s'il te plaît? Quand vous braillez comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si t'es au courant, on nous attend à la mairie. Oh, ça va, y a pas le feu. Moi, on vous attend. Moi, ici, tu seras tranquille, loin du merdier que t'as laissé derrière toi. Alors, les tourtereaux, ça va? Non. Me dis pas que t'as cédé. Si c'est pour avoir ma bénédiction, c'est mort. Hein. Ils ont déclaré vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. Excuse-moi, je suis un peu tendu. Ça va? C'est trop bon ce que t'as fait. Ah bon, t'aimes? T'es sur quoi? Des conneries d'Insta. N'attends pas pour te coucher, hein. Bonne nuit. La vérité, c'est que j'attends de voir ça arrête de finir papa. Si j'ai accepté ce mariage, c'est bien pour fonder une famille. Je sais, moi aussi. C'est quoi le deal avec Zineb? Mais y a aucun deal, qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi de ta femme, elle a rien mangé. Mais c'est tombé, elle a rien à foutre de sa femme. Coucou! Et vous, au fait, vous vous êtes rencontrés comment? Bah, draguer sur la plage. Oh, mais c'est beau, ça! Ouais, c'est à l'ancienne, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? En fait, ça a aidé moi, c'est un mariage arrangé. Salut! C'est un ami à toi? Je l'ai rencontré, je sais plus, à la fac. Qu'est-ce qui va pas entre vous? Pourquoi vous demandez pas plutôt à votre fils? Bah, une fois tu m'as dit le mensonge, c'est à double tranchant. Tu mens aux autres et après, sans t'en rendre compte, tu te mens à toi-même. Me dis pas que t'as rien vu.